Nous voulons réaliser une application dans laquelle les participants en réseau doivent répondre à un quiz et on souhaite faire la somme de leurs réponses ou de leurs votes. Le principe de fonctionnement naturel est que d'utiliser des composants comme GetValue, Firebase, pour permettre d'accéder à la question et en fonction de la réponse, de la renvoyer avec une commande StoreValue à la base de données. La base de données elle-même va informer les autres utilisateurs de cette mise à jour et cette mise à jour, elle sera connue de l'application par le gestionnaire des vêtements Firebase Data Change qui va permettre à chacun en réseau de savoir que les valeurs de vote ont changé. Alors essayons de voir ce qui peut se passer quand il y a plusieurs utilisateurs qui font des mises à jour. Par exemple, on va prendre un utilisateur en vert et un deuxième utilisateur en rouge. Alors ils vont émettre des mises à jour à peu près simultanées, le vert, et le rouge ensuite se lance, il va beaucoup plus vite. Et ce dont on se rend compte, c'est que les verts a prélevé l'état de la base de données, l'a mis à jour, et en faisant cette mise à jour, il a écrasé les mises à jour qui ont été faites par le rouge. Donc le vote du rouge, il a été perdu. Ici, on a l'écrasement du vote rouge parce que la mise à jour du vert est arrivée légèrement après, mais le vote du rouge serait arrivé légèrement après le vert, c'est pareil, c'est le vote du vert qui aurait été écrasé. La seule manière de ne pas perdre de l'information, c'est que les cycles de lecture et d'écriture soient successifs et que la transaction rouge ne commence qu'après que la transaction verte soit terminée. Le taux de perte va dépendre du temps d'aller-retour entre la base de données et les votants. Ici, par exemple, entre Paris et New York, on a 165 millisecondes. Donc, si on a ce genre d'acteur ou si on a des réseaux à faible bande passante, eh bien, dès qu'on aura plus de 1 ou 2 votes par seconde, on a bonne chance de perdre des votes. Donc, ce n'est pas une solution satisfaisante. Il faut en trouver une autre. Alors, comment on va faire pour résoudre ce problème? Eh bien, on va faire une mise à jour en deux temps. On va d'abord additionner les votes dans une table séparée ou dans un tag séparé. Et ensuite, on va faire la somme. On va utiliser pour ça un composant de Firebase qui s'appelle AppendValue. AppendValue, ça veut dire ajouter à la fin. Et on va prendre le premier vote. Ensuite, le deuxième qu'on va mettre après, en append. Et ensuite, le troisième qu'on va ajouter, et ainsi de suite. Et après ça, on va pouvoir compiler le résultat en allant chercher tous les votes et en mettant à jour la base de données. Et bien maintenant, passons à la réalisation. Nous devons donc réaliser quatre fonctions. La fonction qui va créer le tag answers, la fonction qui va le détruire à la fin du vote, la fonction qui va mettre à jour le vote à partir du vote client, c'est celle qui figure avec la flèche noire, et la quatrième fonction, c'est celle qui va aller lire les votes dans le tag answers et qui va aller mettre à jour le résultat du vote ou la somme des votes dans le tag de la question. Donc, on a ces quatre fonctions à faire et on a aussi ajouté un bouton pour démarrer le vote et l'arrêter, ce qui correspond à créer et à supprimer le tag answers. Alors, voilà une présentation générale du résultat dans lequel on voit la partie du haut qui existe déjà dans la version précédente de l'application. Et dans la partie du bas, les trois blocs qui correspondent à des fonctions nouvelles. Alors regardons d'abord les événements de l'interface utilisateur. À l'initialisation et à la sélection du vote, il n'y a pratiquement aucun changement. Uniquement des changements mineurs qui permettent de passer les strings en constantes de manière à pouvoir plus facilement changer de langue. Ensuite, on a le bouton Submit. Alors là, on a un changement plus important. On a remplacé tout le cycle de mise à jour direct de la base de données qui est ici par l'appel à une fonction que nous allons voir tout à l'heure qui s'appelle AddMyVote, ajouter mon vote, et qui va donc mettre à jour le tag answers. Le gestionnaire d'événements qui est nouveau, c'est celui qui permet de démarrer et d'arrêter le vote. Alors ça, c'est un bouton qui normalement doit être utilisé depuis l'administration. Donc sa présence ici est temporaire. Ces trois fonctions nouvelles, nous allons les regarder un peu plus tard. Passons maintenant à la gestion des événements liés à Firebase, en commençant par le changement des données ou leur mise à jour. Pour ce qui concerne le tag de la question, aucun changement.
Par contre, on rajoute l'appel au compte des votes et à la mise à jour de la base de données dans le cas où le tag answers a changé, c'est-à-dire où un vote a été ajouté. Et on en profite également pour afficher le nombre de votes sur le bouton Submit. Aucun changement n'est nécessaire sur les autres événements liés à Firebase. On s'est limité, dans notre cas, à ajouter des éléments qui permettent de traduire plus facilement ou de conserver des fonctions de debug. Décrivons maintenant les quatre fonctions nouvelles, à commencer par les deux fonctions qui créent et qui détruisent le tag answers et qui permettent de démarrer ou d'arrêter la procédure de vote. La fonction startPoll ou démarrer le vote vérifie d'abord que la question existe. Et si c'est le cas, elle crée le tag answers en y incluant un vote avec une liste de votes nuls. Ce premier vote nul va nous permettre de vérifier la validité des prochains votes, par exemple sur la longueur de la liste. Ensuite, la fonction stopPoll, qui permet d'arrêter le vote et de détruire le tag answers, effectue cette destruction et ensuite, comme la fonction startPoll, il va mettre à jour la liste des tags pour qu'elle soit à jour dans l'application. Passons maintenant à la fonction addMyVote qui ajoute un vote à la liste dans le tag answers. Alors cette fonction commence par vérifier la présence de ce tag, puis crée une liste de la même longueur que les réponses, et dans cette liste, elle met toutes les valeurs à 0, puis elle met à 1 l'index qui a été choisi. Ensuite, elle envoie à Firebase une demande d'ajout, happen value, à tag answers. La dernière fonction, c'est celle qui fait le compte des votes. Elle commence par créer une liste où toutes les valeurs sont à 0, puis avec une boucle, elle additionne tous les votes à cette première liste. Ensuite, elle crée une copie de la question. Elle remplace dans cette copie les valeurs correspondant au vote et elle envoie une demande de mise à jour à Firebase avec store value. Dans ces fonctions, on a utilisé très peu de variables nouvelles. Par contre, on a remplacé la valeur des index par des constantes pour éviter de se tromper et pour permettre des modifications faciles de ces index, le tag question index, answers index, etc. Et on a aussi remplacé les chaînes de caractères par des variables, ce qui va permettre de convertir cette application en français, en espagnol, etc. Voilà. Eh bien, on a terminé et puis il n'y a plus qu'à tester.